Seigneur Jésus, je savais que Jésus devait revenir dans peu de temps. Et construire une église, on n'avait pas suffisamment de moyens. Une église qu'on devait construire sur une montagne. Et on devait excaver. Quand je voyais combien de sacs de ciment, des dizaines et des dizaines, pour ne pas parler des centaines de sacs de ciment qu'on avait jetés dans l'excavation, dans ces grands trous-là, où j'avais dit non. Non, qu'on arrête. Avoir combien de sacs de ciment qu'on versait, ne fût-ce que pour les semelles dans la cave. Il y a des semelles qui ont bouffé des centaines de sacs de ciment. Les barres de fer, n'en parlons pas. Les anges, où est l'éternel? Qui dit des anges?
Et le pasteur, un jour, a parlé au comité pour dire, il y a quelqu'un de l'IMETI qui lui a dit, mais vous n'avez pas été intelligent. Il fallait acheter mes terrains qui sont limités. Vous allez construire à moins cher une grande histoire. Et tout le monde était d'accord d'aller à l'IMETI. Il n'y avait que Kalamba et Ben et moi qui n'étions pas tellement d'accord. Kalamba a soulevé, a levé le doigt pour dire que, pasteur, il y a un message à ce sujet. Il y avait un découragement réel. Et la vision disait que nous allons terminer et puis après Jésus reviendra. Et il y a encore un frère qui est venu m'en parler, qu'il a eu un songe que ce bâtiment était terminé. Il est encore là, il est dans l'église, il n'est pas loin, il est dans la même rue. J'ai dit, oui, je crois que ces visions viennent de l'Éternel, priez pour moi en tout cas. Mais on a constitué une commission qui devait aller voir les gens, la personne délimitée. Malheureusement, ou heureusement, je peux dire, cette commission n'a existé que par sa composition. Ils ne se sont jamais réunis, ils ne sont jamais fait un pas pour aller à l'IMETI. Ils ont oublié ça. 3 mois après, le béton de la première durée des chaussées était terminé. On avait déjà commencé à élever des colonnes. Le pasteur arrive, il me trouve encore là-bas. Il s'exclame, il dit, ah, oh, mais je vois qu'on peut construire. J'ai dit, pasteur, comme le courage revient et la confiance, nous allons construire, pasteur. Et moi, j'étais dans la joie de voir le pasteur revenir. Et il n'a même pas posé la question à ces gens-là jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai vu la maquette, je me suis dit, comme disent les Français, ça c'est un château en Espagne. Donc quelque chose qu'on ne peut pas réaliser, on pense qu'on va le réaliser. Ça m'est dépassé parce que j'étais entouré des pauvres. Dans mon église, il n'y avait personne qui pouvait me donner de l'espoir en regardant l'église et le niveau de tout ce qui était avec moi dans mon assemblée, l'assemblée chrétienne de Rigini. Je me disais, ça, c'est quelque chose d'impossible, impossible à construire. Merci à l'Assemblée chrétienne à Rigini. Je vous remercie à Jésus-Christ. Je vous remercie à
Oh, vous avez besoin de passer, vous pouvez quand même. Pour le moment, vous avez besoin de passer. Le lot, Mokolo, Yasuka. Pour votre silici, Bakoya Kotia, toi qui, toi aussi, tu as gagné. Pour votre silici, toi qui, vous êtes au bout de la rue, Nayobi, vous avez besoin de l'équipe bonhomme. Pour que vous avez besoin de passer. Pour l'église Moko Kitoko, 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 Kitoko.
Teli kondi na moto Nikita Lokola. Sanjoli, on a tina na tempelo, we hope si so. Na se wonga kwe matili kolo, yango ana mone, nena peki toko. Zambe pangola pasto baruti, on a mosala mone, na siri posala. Un tabernacle joli, bikini des anges, maison des louanges. Il était nécessaire qu'on construise un nouveau temple pour l'assemblée chrétienne de Riguini. Étant donné le nombre croissant de fidèles, et surtout, et cela est lié au fait que Dieu nous a bénis en amenant à la perfection le ministère de notre pasteur, le don de guérison qu'il lui a donné. Et cela a fait que l'Église, le nombre de croyants à l'Église devient croissant. Et il était important d'avoir un bâtiment pour abriter tous les fidèles contre les intempéries. D'abord, c'était une stratégie collective. Il y a eu plusieurs personnes qui sont passées avant nous. Nous avons le président Tshibangu, le président Kassende. Et je suis venu m'ajouter sur la liste de présidents. Et d'habitude, ce sont des stratégies collégiales, parce que les conseils des administrateurs travaillent d'une manière collégiale. Nous avons monté toutes ces stratégies ensemble avec certains diacres, dont l'honorable Kalonji. Et nous sommes partis du principe selon lequel que l'union fait la force. Unis, nous sommes forts. Et désunis, nous sommes faibles. C'est ça le principe qui nous a conduit à faire des collectes en comptant sur les grands nombres. Et cela a produit aujourd'hui un résultat palpable. Les collecteurs, là, ça a commencé avec papa Diacre Kalonji. Et il a pris cette histoire dans son cœur, à Lati Yango. Et c'est lui qui devait vraiment parler chaque semaine de la construction, sans se lasser. Et avec tous les diacres, ils ont eu la pensée d'avoir des collecteurs qui devaient aller dans des juridictions collecter l'argent. C'était une idée géniale des diacres, que moi j'ai apprécié et qui a apporté beaucoup de fruits. Donc les collecteurs peuvent m'arriver comme ça, même moi. La nuit, ils n'ont même pas peur de ma maison. Ils allaient partout chez les chrétiens. Et ils n'avaient pas de frontières et ils demandaient l'argent pour la construction. Et chacun participait. Nous avions premièrement commencé par nous-mêmes. On ne voulait vraiment pas regarder à l'extérieur. On évitait de tendre la main à qui que ce soit de l'extérieur. Oh.
sommets, des ans de prière, des visées de messages de l'heure. Louer l'Éternel, des visées de l'amour divin. Bénis l'Éternel, le tabernacle de Bekabarouti. Bénis l'Éternel, l'église de la sainte doctrine. Louer l'Éternel, l'église de la parole de Dieu. Maison de louange. Ya batu na kati ya kuchula na peko zamba na muke muke lokola lindonge kasingu ya na zambe ni monisi zambe yo kaka mabondelia banana yo kuta na ndako oyo eta berna ke joli de sanje kikini. Ambe pambola beka baruti Atali mwana nzambi Andoke lionda kokitoko Maison de louange Ambe pambola banana yo Malinga kayo minge Andoke lionda komonene L'Éternel, Jésus Pambola Kaka Longiwe Alinga Kayo Mingi Abundi Bonanda Kuyango Maison de Louange Osamboya Likondi na Moto Maison de Prière Osamboya Libota na Zambe Louer l'Éternel Etonga Mina Banana Zambe Béni l'Éternel na biso ndako oyo tongaka na mitema na biso pe esila botokoma eloko moko na yo bandeko basusu tobanda kotonga na bango basila kolala Yesu mapema na kimia misala milamu ya bango milanda bango opambola mabota na bango o nkolo okumisama Maison de prière, appelle ça la ministère, on a dit nanana pour la salade à yo pour impression. S'il faut les prendre à chaud comme ça, bon, je suis satisfait du fait que le travail s'est terminé. Et quand on va dédicacer, c'est pour dire que nous sommes arrivés à terme. On était ici supervisé tout ce qui était du génie civil. Donc, coulage de béton, de poutres. On est entré dans la phase de finition.
le crépissage, le revêtement, faire le carrelage, et tout ce qui concernait la finition, pose des garde-fous, donc faire les chairs, les déchairs, la chaire principale et la chaire secondaire qui est au niveau du rez-de-chaussée, et puis l'aménagement intérieur. Au départ, nous avons compté qu'il y a trois niveaux. Enfin, le quatrième était considéré comme le garage, mais actuellement, vu le nombre de fidèles, les quatre niveaux sont occupés par les fidèles. Et donc, il y aura l'éclairage en suffisance dans sous-sol ou rez-de-chaussée, premier étage et deuxième étage. Nous nous attelons pour que l'éclairage qu'on va donner soit un éclairage conséquent. Donc il y aura de la lumière dans tous les étages. Même si la SNEL arrivait à avoir des déficiences, nous avons un groupe électrogène qui va prendre la totalité de la charge du bâtiment. Nous avons, après cette souffrance-là qu'on a eu endurée pendant plus de 14 ans, on a dit, bon, essayons un peu de demander aussi de tendre la main aux autres. Essayons de demander aussi aux autres. Et on n'a rien eu. Nous avons écrit. Jusqu'ici, on n'a rien eu. Pour la construction, l'extérieur n'a pas participé. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je pense que oui. Pour que ce soit une fierté pour les membres de mon église, que eux-mêmes, avec la souffrance qu'ils ont, avec la sueur de leur front, avec le petit travaux qu'ils font, avec les petits salaires qu'ils reçoivent, les mamans qui vendent à l'extérieur là, des beignets, des pains, ils vendent du pain et puis quoi encore? Les arachides, des braises et tout. Ils ont mis la main dans le sac. Et ils ont construit avec nous ce beau tabernacle. C'est pour accomplir ce qui est écrit dans la Bible. C'est écrit clairement qu'ils avaient construit dans des temps difficiles. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour le pays, le Congo démocratique, ces grands immeubles. Et pourtant, ce sont ces moments-là, les mamans, vendeuses du pain et des arachides, ce sont eux qui ont construit. Le surnaturel nous a accompagnés du début jusqu'à la fin, quand on a, depuis quand j'ai posé la pierre angulaire, jusque quand ils ont posé la toiture, le surnaturel était présent. L'arc-en-ciel, la colombe, comme tu l'as entendu, la colonne de feu, photographiée. Et pour moi, la plus grande des choses, il n'y a pas eu d'accident. Ou il n'y a pas eu de mort. Nous avons compté un seul mort. Et ce mort-là s'appelle le Seigneur Jésus. C'est lui qui fut crucifié pour ça. Il ne pouvait plus accepter qu'un autre sang coule. Non,
Il y a eu des accidents. Quelqu'un qui descend là de je ne sais pas combien de mètres. 30 mètres. 30 mètres. C'était sa mort. Quelqu'un qui travaillait pour Moby Metal. Et il est semblé pas seul avec une barre de fer. Mais vers la fin de sa chute, il devait être vraiment écrasé, mort sur le coup. Mais il a eu cette, comment on appelle ça, cette chance, cette capacité d'attraper une corde. Comment? Je ne peux pas comprendre. Comment? Je ne peux pas l'expliquer. Et la balle de fer qui est tombée, parce qu'il avait tenu cette barre de fer et puis il a raté la barre de fer et tombé avec lui, ça s'est recourbé. L'arc-en-ciel, c'est l'alliance. L'arc-en-ciel, au temps de Noé, c'était l'alliance. Mais Dieu fait une alliance avec des hommes. Noé. Je crois que c'est clair. Je ne détruirai plus. Quand tu verras l'arc-en-ciel, sache que j'ai fait l'alliance avec toi. Je ne détruirai plus cette terre par la pluie. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'arc-en-ciel, sur l'assemblée chrétienne d'Erguigny, le nouveau temple, appelons ça des Salomon.